C'est en conférence de presse que nous avons parlé sous question sécurité. Mais cependant, nous avons parlé du moyen d'État qui vous baille sécurité à Jean Labrasseur. Et c'est peut-être ça au départ dans la mise en contexte là. Nous allons parler de deux tweets que nous avons fait sortir pendant le week-end là, qui parlait de contrat que l'État a signé avec des lobbyistes aux États-Unis. Nous avons deux que nous fait sortir. C'est Yon qui dénonçait un contrat qui signé le 7 février 2022, donc aujourd'hui là. Ambassadeur Bouchy signé avec firme du Rélé LAD, Latin American Advisory Group, et on qui décide signé pour $300,000 à raison de $25,000 américains par mois. Et bon, l'autre, c'est au contrat qui signé avec Louis Salomon en juillet, en semaine après dans mon journal, pour $200,000 américains pour 8 mois. Nous parlons de COP ça au Cap Gaspillé parce que nous avons un gros rapport, enquête, que nous faisons sur COP Washington. Nous avons parlé ça déjà, nous avons dit qu'il y a plus de COP Gaspillé, $4 millions. Rapport à l'Ipari, nous avons présenté là après jeudi, nous avons tout invité nous. Et mercredi, nous avons envoyé le Sénat et le Cour des comptes pour nous montrer le gaspillage qu'a fait dans la question de l'ambassade d'Haïti à Washington. Mais nous avons deux petits contrats à nous prendre, c'est pour nous démontrer comment l'État est utilisé pour la question de sécurité en Haïti. Pendant ce temps, il y a un pile corps qui a gaspillé pour la vie gouvernement. Alors, matin, l'ambassade de Washington en radio qui parlé, et c'est comme si nous-mêmes nous avons des droits, comme l'opposition démocratique parler de ça l'État a fait à quoi pays. Nous avons dit que dans tout pays, opposition démocratique, là, il y a la donne, opposition parlementaire, ou bien opposition parti politique, qui parle au Parlement, mais qui a fait opposition, ou bien les citoyens qui disent qu'ils n'ont pas d'accord à ce gouvernement fait. Ou l'opposition, c'est dénoncer et proposer des alternatives. Nous-mêmes, ça nous fait, nous dénoncer ça qu'a fait au peuple l'État qui a gaspillé, comme leader du parti politique, et en même temps nous proposer plan de sécurité. Et nous dit, ce n'est pas nécessaire pour le sénateur pour nous faire une opposition constructive, pour nous faire travailler, nous, n'importe qui citoyen qui a fait travail. Pour qui ça nous dénoncer à contre la salle qui signe entre ambassadeur Bouchy et Fim Sahel. Premièrement, on a dit, selon la Constitution haïtienne, article 204, tout contrat à caractère financier qu'a fait dans l'État, il faut qu'il y ait un avis pour les comptes. Contrat à Zario, il signe simplement deux mots. Ambassadeur Bouchy avec FIM. Et puis pour des gros montants, $25,000 américains par mois, qui avait pour $300,000 pour Latin américaine à Baïs sur le et $200,000 pour Louis Aliman, qui est là pour 8 mois. Nous disons contrat à Zario, il est illégal, il est inconstitutionnel. Parce que l'ambassadeur Bouchy, mais peut-être une situation que vous parlez de compte. Et depuis septembre, vous avez dit ça, il n'y a pas de quoi signer contre ça. Parce que il n'y a pas de qualité. Et s'il n'y a pas de qualité, il faut pour des comptes à baliser contre ça. La deuxième chose, contre ça, c'est des détournements de fonds. L'autre jour, nous, un journaliste, nous avons ça, le ministère des Affaires étrangères font un autre soutien. Il dit que tout passeport Washington, je veux voir deux mondiaux en Haïti et comme là, je veux voir l'aller dans la DGI. Parce que nous avons dénoncé que comme ça, son propre taxe que lié, que nous n'avons pas qu'à utiliser là-bas sur ça. Pendant que le ministère des Affaires étrangères, il fait d'autres ça, pour le dire que comme ça, pour aller dans la DGI, eh bien, bon contrat qui signe ici, et l'ambassadeur a dit, on va le payer dans le propre Washington. Non. Moins que depuis 1979, le FMI lui-même décide un contrat gouvernement. Quelqu'un s'est le compte unique. Pas qu'un corps qui a rentré dans l'État si ce n'est pas dans la raison d'aller. Il a ressorti en deux budgets. On ne peut pas avoir une taxe sur un monde pour que comme ça l'utiliser directement lui-même en deux projets. C'est détournement de fonds. Et c'est peut-être ça.
moi pour le voyer rapport complet à par Sénat et par tout des points parce que je dis à mes sacs de vie faut nous comprendre ça oui si ça ça que nous avons dénoncé là c'est lui que Ariel Henry a reprendre parce que c'est des contrats que moi j'ai dénoncé qui était signé avec Mercury pour 25 dollars 1000 dollars américains le mois. Jovenel Moury, il a remplacé Mercury par Latin américain Albaï Sourigou. Ça veut dire que Jodia, il continue le même système à dépenser pour diaspora par le passeport, il n'y a pas de passeport, il a gaspillé pour bio, alors que justement, nous avons en Haïti question insécurité, que tout le monde a demandé blanc, alors que nous avons pas là. Donc moi je pense que Jodia, l'important pour nous signaler à public là, à journaliste là, pour qui ça que contre la salle, l'ambassade à Pakassien. Il faut que les gens rendent compte de ça, mais c'est lui seul qui répond devant le tribunal le que moment opportun lui présenter. Parce que lui connaît, comme nous le connaît dans l'Inagé, lui connaît le médium et il connaît que Pakassien contre la salle, Jean Lapsien. Ça, c'est ça que nous avons parlé de la légalité des contrats. Ça, c'est parti qui n'a légalité contre là. Mais maintenant, ça ne va pas les jours qui ont rapport à sécurité, c'est de l'opportunité des contrats. L'opportunité des contrats. Et c'est ça, vous suivez toujours garder, la légalité et l'opportunité. On a les questions opportunité, mes amis. Nous, par contre, question lobbying. Parce que question lobbying, un pays qui a utilisé par exemple l'obéis pour une grande cause que la population a difficulté. Par exemple, pour TPS aux États-Unis, pour question de loi, pour question de Haïtiens maltraités là-bas qui vivaient, pour les immigrants, nous avons l'obéis qui pour parler à Montréal, pour connaître que nous n'avons pas maltraité Haïtiens, nous sommes obligés de respecter les lois. Nous avons fait l'obéis pour ça. Mais on ne peut pas faire l'obéis pour dire qu'on avait fini le gouvernement. Qui ça qu'on avait fini Ariel, le néo-suspect Ariel? Est-ce que c'est l'obéis qui a écrit l'article pour lui dans la manière? Ou bien Ariel qui pourrait répondre devant le juge là? Ça qui est simple, c'est répondre devant le juge là. Ou pas gagner pour payer pour laver fini Ariel pendant que lui a tout scandale ça. C'est un juge qui a dit est-ce que l'on tombe encore? Alors que. De l'opportunité de ce contrat, c'est 500 000 dollars américains de contrat que M. signé pour Ariel. Qui environ plus de 50 millions de dollars. En nous gardant, monsieur. Nos pays, côté que n'a pas dit plus gros problème dans la sécurité. Nos pays, côté Premier ministre Ariel, qui est même un plan de sécurité, et plan de sécurité, ça a nos besoins environ 50 millions de dollars pour transformer, disons, soit team en unité anti-gang. Ou bien vous mettez un unité anti-gang sous bien. Est-ce que madame Pibon, au lieu que moi payer la bien Merlot, tout le monde connaît Merlot, c'est un ancien employé ici et qui a travaillé ici, qui était déjà payé à 2000 dollars, 3000 dollars. Je dois payer 25 000 dollars américains par mois pour la vérifier du gouvernement, alors que l'unité de la police là, les besoins corps pour nous mettre sous bien en unité anti-gang qui pour justement faire face à la question de sécurité. Wabay plus Alivan 200 000 dollars américains. Donc, moi, je pense que je dis, pour la vérifier du gouvernement, ça tape. Bon, c'est mettre l'unité ça sous pied et permettre que je dis à mon gars aller Kafou, mon gars passer Matissan en toute sécurité, qui va permettre que je ne vais pas violer mon. Parce que vous n'avez pas violé ni garçon, ni fille. Ça va permettre que je ne vais pas assassiner mon. Je vais faire des gens. Quel est ce département qui est bloqué là? Est-ce que madame Pibon aujourd'hui a que comme ça, il est rentré dans le trésor là? Il a affecté le budget Romania sous question de la police. Il a monté en unité anti-gang. Et là, ça a une sécurité au moins dans la zone ça. Et puis, belle façon pour la vérifier le gouvernement, c'est le gouvernement qui a dit moi, j'ai fini de gagner sécurité, je dis à la sécurité. Moi, je crois que c'est peut-être ça aujourd'hui à nous dire. Et son responsabilité que nous prenons. D'ailleurs, nous te dit, l'ambassadeur a parlé, il dit information des soucis. Information, et l'ambassadeur a dit dit que information des soucis. C'est moi qui dis, en décembre, mes côtés, moi, prends source information pour me faire enquête sur
question de l'ambassade d'Haïti à Washington. Moi, dit qu'il y a plusieurs millions qui dépassaient, mais quand il y a un document, bon, moi, qui te relève, il te dit, est-ce que c'est obligé de partir pour aller faire l'ambassade? Moi, dit non. Parce que, sous site, il y a hein, c'est Foreign Affairs Register Act, côté que, ou obligé enregistrer tout contrat qu'on fait pour justement question de lobbyisme aux États-Unis. Parce que des fois, travail justement pour le gouvernement étranger, ils sont obligés de tout exactement qui sont faits. D'ailleurs, comme dit mon bagage, nous connaissons que tellement, l'ambassade d'Haïti était tellement par les publics par les soucis de ça, là, elle fait contrat avec Mercury en Angleterre. Là, elle fait contrat avec mon film qui est en France. Parce qu'en Europe, ce n'est pas même région. En Europe, lors qu'on filme lobbyiste, il n'est pas nécessaire pour publier ce site-là. Parce que il a contourné la question. Si on a fait à Mercury aux États-Unis, je dis à l'ambassadeur Brissal, il signe à Mercury qui est en Angleterre. C'est parce qu'il voulait contourner, il voulait cacher la question. Et je dis à lui découvrir. Je découvre non seulement Bob Gaspier, mais on découvre que l'on signe des contrats que l'on doit. Eh bien, alors que comme ça lui-même, c'est quoi l'État haïtien? Comme là, son propre passeport, son propre taxe. Et depuis c'est quoi l'État haïtien, son propre public lié. Et depuis c'est l'argent public, n'importe qui citoyen capable de lui, n'importe qui est.